est mardi 2 octobre 2018, il est 8h06. Je crois que là, ça avance un peu l'horloge de ma voiture, mais bon. Je suis partie plus tard ce matin, on s'est levé un peu plus tard. Ce soir, je finis à 10h. Avant, je finissais jamais à 17h. On a une permanence téléphonique de 9h à 17h. Je ne finissais jamais à 17h car déjà j'arrive tôt, on est au 36h30. Et j'avais une collègue, donc moi j'arrivais tôt, et j'ai une autre collègue qui partait toujours soit à 17h, soit après, parce qu'elle arrive plus tard le matin. Et je bouge. Cette collègue change de service. Donc du coup, il n'y a plus personne à 17h. Donc avec la collègue restante qui pour l'instant est intérimaire, on alterne un jour sur deux, et puis on alternera pour le vendredi pour rester jusqu'à 17h. Donc maintenant, moi je serai le mardi et le jeudi, puis le vendredi, un vendredi sur deux. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ce matin, un lapin. Ce matin, Alexis, alors le mercredi commence à 9h30, on est mardi, je sais. Hein. Et le mercredi commence à 9h30, tous les autres jours commencent à 8h30, mais là sa prof de français est absente. Donc il commence à 9h30, donc du coup, j'ai proposé qu'on dorme un peu plus longtemps. Comme ça, je partais un tout petit peu plus tard, pas beaucoup, mais comme ça, on a pu dormir 20 minutes de plus. Comme moi, je finis plus tard, enfin bref, tout s'enchaînait bien, donc c'est cool. Enfin bref, tout ça pour dire que, voilà. Sauf que là, l'endroit où je passe, plus je passe tard, plus il y a du monde. Là, c'est le cas, mais bon, on peut pas tout avoir, et puis c'est pas non plus très long. Donc ça devrait pouvoir le faire, et comparativement à quand je serai à Boulogne ou là, vraiment rigoler. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ce soir, j'ai rendez-vous. Donc je finis à 17h. Je rentre vers 17h15, en gros. 20 peut-être. Ça dépend si je pars à 5h pile. Et j'ai rendez-vous à 18h au collège. Donc on a une réunion de 18h à 19h30, 1h30. Donc c'est super long. Donc je rentre, je donne les consignes à Alexis pour ses devoirs un peu. L'organisation qui s'avance et tout. Surtout que David, il va rentrer tard aussi parce qu'il a un pot de départ d'un collègue. Donc il va faire un peu un apéritif dînatoire. Donc son pot de départ, il est à 18h, donc il ne sera pas rentré. Et puis après, il va peut-être aller à son club photo où il est l'année dernière. Il n'est pas encore retourné parce que le thème des semaines ne l'intéressait pas. Là, là, il va peut-être y aller s'il rentre assez tôt de son pot de départ. Bref. Donc Alexis va être un peu tout seul ce soir, donc voilà. Comme il sera pas avec, comme je ne serai pas avec lui, je lui donne les consignes. Tu peux jouer de telle heure à telle heure, mais avant, il faut que tu aies fait ci, ça, quoi. Comme je ne serai pas là pour vérifier, sauf en rentrant, mais... Et en rentrant, je vais... Enfin, comme je vais rentrer vers 19h30... non, ça, si ça se finit à 19h30, si ça se finit à l'heure, je serai au retour... Enfin, je serai rentré vers 8h-20, le temps de manger, là, là, là. Enfin bref, donc la soirée va passer très vite, donc j'aurai le temps de rien, niveau perso, hein, je parle. Je pense que j'aurai certainement pas le temps de filmer, pas le temps de monter. Voilà. Vivement, j'espère que ça va être bien cette réunion au collège, que ça va passer vite, mais je pense que c'est important quand même, même si ça prend beaucoup de temps sur une soirée, c'est important. On va, donc il y a une plénière avec tout le monde et puis après on est répartis par classe. On voit les profs, nous les parents d'une même classe, on voit tous les profs qui se présentent et qui expliquent ce qu'ils font, quoi. C'est pas mal parce que ça peut d'avoir une idée de la personne physique qu'est les professeurs des enfants. Et voir comment elle interagit avec eux, tout ça, donc c'est pas mal. Donc voilà. Donc voilà, une journée, une journée intense. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon allez, je vous laisse. Petit coucou du soir. Enfin du soir. Il est 6h-20. Donc je suis rentrée. Hein. Comme vous voyez, le décor de la cuisine. J'ai reçu mon appareil photo. Il est là, j'ai juste ouvert juste pour voir s'il était bien emballé et tout. Par contre, j'ai pas le temps de l'ouvrir, là, de le déballer, j'ai pas le temps d'utiliser, de le charger et tout. Parce que je pars à la réunion au collège. On a quand même eu le temps de voir un peu de devoir avec Alexis. Je suis rentré
fait un petit pas trop tard. Et du coup, bah voilà. Donc je suis contente de l'avoir reçu. J'ai pas encore eu le temps de le déballer. Ce soir, je sais pas si j'aurai le temps. J'ai pas envie de le faire à l'arrache, n'importe comment. Donc au pire, je le déballerai demain soir. J'espère que je pourrai filmer rapidement avec. Et il faut tout de suite que je vois s'il rentre dans la pochette que j'avais de l'autre. Parce que c'est une pochette hyper molle et qui s'adapte. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Et du coup, on va voir s'il rentre dedans. Sinon, je serai une pochette. Et puis après, je vais l'essayer. Et puis je m'achèterai certainement une batterie. Voilà, donc David a dit qu'il me l'offrait. Il est trop mignon. Mais bon, je sais pas si je le mérite, mais bon. Donc voilà, donc j'ai hâte de le déballer. Je déballerai peut-être avec vous. Qu'est-ce que je voulais dire? Il faut que je prépare les affaires. Enfin, on dirait que je vais rentrer super tard. Non, je vais rentrer à 7h30, mais après, il faut qu'on mange. Il faut que je prépare les affaires de badminton, son sandwich pour demain. Enfin, je ferai ça demain matin, en fait, le sandwich. Les affaires de badminton aussi. Ce soir, plutôt. Je suis toute speed, mais j'ai passé une bonne journée. Voilà, j'ai hâte d'aller à la réunion et de voir à quelle sauce on va être mangé. Et n'est-ce pas, j'ai pris de quoi noter au cas où. Bon. Et voilà, j'ai surtout hâte d'ouvrir mon appareil. Ouais, non, là, ça va faire trop juste, je vais me précipiter, après je vais être à la bourre, bref. J'aime pas faire ça, donc je préfère attendre encore, je sais plus, à un jour près. Mais bon, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alexis qui crie. Arrête! Donc voilà, donc je vous laisse. Je sais pas si je mettrai en ligne, parce que là, ce matin, je crois que j'ai beaucoup parlé. Mais je sais pas combien de minutes, je sais plus. Là, je parle un peu pour rien dire. Ce soir, si j'ai le temps, je vous reprendrai peut-être. Je sais pas, je vais voir comment ça se passe. Donc je verrai si je mets le vlog en ligne. Bref, ça sera la surprise. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Ou, écoutez-moi, je sais pas trop comment ça va se dérouler. Donc je vous fais des bisous quand même. Je suis bizarre comme ça. C'est mieux comme ça. Les amis, il est 8h30. On est sorti du collège à 8h. Donc ça a duré 2h la réunion, c'est un truc de fou. Donc du coup, bah ouais, 8h30. Mon appareil photo, je m'en occuperai demain. On va. Déjà, il faut que je charge la batterie, il faut que je le configure pour le mode vidéo correct et tout. Donc j'ai trop hâte de le tester, de l'utiliser. Mais là, ce soir, je suis trop prise par plein de trucs, donc j'ai pas le temps et je préfère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne pas le faire à l'arrache, mais je vous l'ai déjà dit, donc je vais arrêter de parler parce qu'en fait, voilà. Je vous fais des gros bisous cette fois et je clôture et à bientôt.